Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on va aborder la question de savoir comment introduire une perruche au mâle pour la première fois. Donc, pour introduire une perruche à son futur mâle, il y a deux façons à faire. Donc, la première consiste à déplacer la femelle d'une cage à la cage du mâle. Bien sûr, sans se connaître et sans être vu auparavant. Cette façon n'est pas si efficace dans certains cas, parce que la femelle sera agressive et bien sûr, il va essayer de protéger son espace. Bien sûr, le mâle est tellement heureux que la femelle est dans son cage, mais la femelle elle a peur. Il a encore besoin d'espace et elle ignore le mâle. Le mâle, il va commencer à faire son spectacle et il va continuer à la faire tomber amoureuse de lui. Il commencera par la nourrir et bien sûr, il aime ça évidemment. Mais cette dernière aura encore besoin d'espace. Vous allez constater qu'elle la chamaille à chaque fois qu'il se rapproche d'elle. Parce qu'il n'est pas prêt à s'accoupler avec lui. Mais à fur et à mesure qu'il la chamaille et qu'il la nourrit, la femelle va commencer petit à petit à céder. À cette étape-là, on peut introduire le nid pour ce couple. Vous pouvez par exemple lui fournir différents nids jusqu'à ce qu'elle choisisse ce qui lui convient. La deuxième méthode consiste à déplacer la cage et mettre la cage de la femelle devant la cage du mâle, qui sera la cage de reproduction, de sorte que les deux peuvent se côtoient et se présentent au moins pendant une semaine, afin qu'elles puissent se voir et se connaître avant de la déplacer dans la cage du mâle. Bien sûr, n'oubliez pas de fournir le nid dans la cage du mâle. Une fois déplacé dans la cage du mâle, vous allez constater que le couple, qu'il y a une bonne ambiance entre le couple. Le mâle est heureux de voir la femelle dans la cage et la femelle est prête pour la production. Vous allez constater que la femelle n'est pas du tout agressive à comparer avec la première méthode. Le fait qu'ils se connaissent déjà auparavant. Vous allez constater que tous les signes de parade et d'amour sont présents. À commencer par le fait que la femelle lui permet de lisser ses plumes. Cela signifie évidemment la réussite de cette étape. La prochaine vidéo, on va voir si votre couple de perruches est prêt à se reproduire.